Une ville, ça va quand même. Une jungle, c'est encore très mieux. Lubumbashi, autrefois considérée comme deuxième ville du pays, perd son image d'antan à grande échelle. Bon, c'est regrettable vraiment. On a des Bamukini, une ville, deuxième ville de la République, mais beaucoup de chafou, beaucoup de canaille. Et caniveaux, égouts et collecteurs d'eau sérieusement bouchés, le mur de l'hôpital Janson-Saint-Doué se métamorphose au quotidien par les urines, devenant ainsi urinoir public des usagers et ceux qui exercent à vue d'œil. Malgré les multiples efforts fournis par la nouvelle équipe urbaine dans la salubrité de la capitale qui préfère, la ville est toujours en danger. L'environnement est véritablement menacé par les déchets non dégradables. Il faut y rendre propre, il faut comme de façon générale, il faut pas sale. Il faut faire un gouffre, il faut être propre et ça, ça mange. En général, la ville est sale. Ils en est tout. Je suis l'Inde, je suis le Moulinda Naya. En général, ville est au chaf. Mais il faut un gouffre. Ville, tu nous dis que il est Shima ya ville à Lubumbashi. Et Shima ya Wantanch, ville propre. L'alarme est au rouge. L'implication des autorités urbaines s'avère indispensable avant que les pires n'arrivent, surtout durant cette saison pluvieuse. Mais na buta buivi comme on voulait na pika, c'est regrettable, c'est difficile à côté Mbeya, à côté à l'hôpital. C'est que ma malaria ngine tena tuko na produire. L'assainissement de la ville de Lubumbashi et ses communes demeure le leitmotiv de tous les Louchois soucieux de vivre dans un environnement sain et propice.